Bienvenue sur le live de Mon Business à 200%, le live qui t'aide tout simplement, je règle la caméra, qui t'aide à développer ton business, à booster ton télétravail, ton travail, que tu sois consultant ou indépendant. L'objectif, c'est t'aider à mettre en place la bonne stratégie de marketing, la bonne stratégie web marketing pour développer tes ventes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même, qui semble basique à la base, mais en fait, qui ne l'est pas tant que ça, puisque on va parler des cartes de visite. Les cartes de visite sont le premier outil qui permettent de te faire connaître, de booster ta boîte, parce que c'est le premier élément que les gens vont avoir en main, le premier élément palpable, quel que soit ton travail. Alors, on va commencer, bien entendu, tout de suite. Et, voilà. Alors, exactement, aujourd'hui, moi je m'adresse essentiellement aux entrepreneurs qui veulent être fiers d'eux quand ils vont se coucher le soir. Je m'adresse aux entrepreneurs qui se disent chanceux, qu'ils ont le temps, qu'ils ont les moyens d'agir. Je m'adresse aux entrepreneurs qui assument leur ambition, aux entrepreneurs aussi qui assument bien vouloir gagner leur vie. C'est tellement important d'en parler parce que c'est quand même bien ça qui fait que qu'on avance, etc. C'est vraiment, je m'en mêle les pinceaux. Et je voulais dire qu'en France, en fait, souvent on a tendance à rendre négatif l'ambition et l'argent. Et justement, je veux exactement m'inscrire à l'opposé de ça. Alors exactement, donc on va voir que pour que les personnes autour de vous, vos clients potentiels, etc. adhèrent à votre vision, il faut vraiment que vous ayez votre propre vision de l'entrepreneuriat, que vous soyez capable d'avancer aussi par rapport à votre direction, votre grand cap. Quel est votre grand cap? Quelle est votre grande ambition? Parce que plus vous avez une ambition claire, une vision claire, où ce que vous voulez, par exemple, à moyen terme, plus vos actions vont être claires et plus, évidemment, ça se ressent dans votre discours, dans votre communication. Et du coup, forcément, vos clients perçoivent cette clarté. Ce que je veux dire, c'est que plus votre vision est claire, plus vos clients perçoivent de la clarté et de la détermination. Alors, enfin, ce qui est important, même ça, je pense qu'on en est tous conscients, c'est que la première impression est la dernière. La première impression que vous laissez, c'est la dernière que vous allez laisser à vos clients potentiels, à vos contacts, etc. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet en trois points. Le premier, on va revoir les fondamentaux de la carte de visite. Donc, comment réussir sa carte de visite. On va parler des choses vraiment classiques que vous savez plus ou moins déjà, mais c'est bon de les rappeler. En deuxième point, on va parler de l'objectif de la carte de visite. Quel est le fond final? Vraiment, quelle est la vraie finalité de la carte de visite? Et enfin, pour illustrer mon propos, je vais prendre 14 cartes de visite réelles et que je vais décortiquer pour vous et je vais vous dire qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est mal fait sur ces cartes de visite. Ben voilà, juste pour vous présenter un peu d'où je viens et qui je suis, ben voilà, ça c'est la maison familiale, je suis David, j'ai 29 ans, je suis consultant en web marketing, c'est-à-dire que j'aide mes clients à développer leur entreprise grâce à Internet, j'amène des outils, des techniques, des méthodes, etc. pour que finalement Internet ne soit plus un gros challenge et un gros problème pour vous, mais pour que ce soit un outil convivial, pratique et agréable à utiliser. Et surtout une source de business. Aujourd'hui, je vis trois quarts de l'année donc en Inde. Là, je suis présentement à Marseille. Voilà, j'ai un appartement en Inde à Ranchi. Si vous voulez en savoir plus sur la vie en Inde ou comment je travaille, n'hésitez pas à me contacter ou à poser vos questions, bien sûr, dans le chat de dialogue. Alors, aussi, je vous ai préparé un petit kit pour vous aider à développer votre stratégie d'entreprise, à aller plus loin. Dans votre entreprise, que vous soyez en train d'ouvrir votre entreprise ou au contraire que vous l'ayez déjà lancée, et bien, j'ai un chat dans la gorge maintenant. Ben voilà, vous avez un kit que j'ai préparé que vous pouvez télécharger, il est gratuit bien sûr. L'objectif, très simple, c'est de vous prendre par la main pour construire votre stratégie. C'est comme je vous le disais en début, plus votre stratégie est claire, plus votre client le perçoit. Donc, je pense que c'est vraiment l'élément de base à travailler avant même de commencer à communiquer. Pourquoi l'écran ne s'affiche pas là? Ok, si c'est bon, d'accord, parfait. Très bien, alors vous pouvez poser toutes vos questions bien sûr dans le live. Vous pouvez m'envoyer un SMS par téléphone au 06 70 47 56 09.
vous posez vos questions et je vous répondrai en live. Et bien sûr, si vous voulez qu'on parle en privé de votre stratégie, parler de vos problématiques propres, eh bien, vous pouvez m'envoyer un petit email à contact@biz200.fr. Je serai bien sûr présent pour vous répondre. Alors, on va aller dans la partie 1, les fondamentaux de la carte de visite. Qu'est-ce qui fait qu'une carte de visite va fonctionner? Qu'est-ce qui fait qu'une carte de visite ne va pas fonctionner? Alors, le format standard, hein, classique, hein, c'est 8,5 cm par 5,4 cm. C'est le grand standard, c'est bien de respecter les standards au niveau des tailles parce que ça rentre dans les porte-monnaie, ça rentre dans les porte-cartes de visite, etc. Il n'y a pas d'importance au niveau du portrait ou du paysage. Le papier, l'idéal, c'est comme tu dis, un minimum 300 grammes pour que quand vous prenez la carte de visite en main, elle ne se plie pas. C'est important par rapport à l'impression que vous allez laisser. Et ensuite, évitez d'utiliser un papier lisse. Parce que un papier lisse, en fait, ne vous permettra pas en fait, d'écrire dessus si vous avez une annotation à faire. Et puis aussi, j'ai envie de vous dire, la finition dorée, les coupures, etc. Bon, ben, ça, c'est vraiment au gré de vos envies. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, l'information, ce qui est très important, c'est que votre carte de visite doit répondre à trois questions de base. Vraiment, là, c'est des questions qui doivent être extrêmement pragmatiques et essentielles. C'est typiquement qui, quoi, comment. Il faut que votre nom, votre prénom ou l'entreprise, votre logo soit clairement affiché et qu'on puisse facilement l'identifier. Le quoi, c'est quelle est votre fonction, qu'est-ce que vous allez amener à votre client, quel est votre positionnement, quel est votre rôle, qu'est-ce que vous allez faire avec lui, quelle valeur ajoutée vous allez lui amener. Le comment, c'est comment on vous contacte, quelle suite vous voulez donner, comment vous voulez que votre client potentiel, contact, etc., fasse ensuite, avec votre carte de visite, quel est le rôle? Quelle est la prochaine étape? Donc, est-ce que vous voulez qu'il vous appelle? Est-ce que vous voulez qu'il vous envoie un courrier? Est-ce que vous voulez qu'il vous envoie un email? Qu'il visite votre site internet? Je vais vous donner des exemples concrets par rapport à ça. Évitez aussi le trop d'informations, parce que trop d'informations, ça tue l'info vraiment. Hein. Quand il y en a trop, on ne sait pas quoi lire. L'œil regarde un peu tout et finalement, il ne retient rien. Ensuite, évitez les termes qui ne sont pas significatifs ou porteurs de sens. Typiquement, on voit des fois sur la carte de visite gérant. Gérant, en fait, ce n'est pas un rôle, ce n'est pas un métier. Mettez plutôt directeur commercial. Alors, pareil au niveau des polices, et donc la forme des caractères et au niveau de la taille des textes, minimum 7,5 au niveau de la taille de la police. Derrière ça, utilisez maximum deux polices sur votre carte de visite, parce que plus vous utilisez de variations au niveau des polices, plus c'est difficile à déchiffrer, plus il faut du temps pour le chiffrer. L'objectif, bien sûr, c'est que votre carte de visite se lise très facilement, rapidement, et qu'on puisse la mémoriser. Évitez aussi de mettre toutes les informations à la même taille. Parce que dans ce cas-là, l'œil ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il doit lire en premier et qu'est-ce qu'il doit lire en dernier. L'œil, pour sélectionner ce qui est important et moins important, il regarde la taille du texte. Plus le titre est gros, plus il va y accorder d'importance, et plus c'est petit, moins il va y accorder d'importance. La couleur et l'image. Alors, évitez de mettre trop de couleurs aussi sur la carte de visite. Si vous utilisez deux couleurs, mettons le vert et le bleu, vous pouvez aller jusqu'à quatre couleurs en utilisant deux variantes de bleu et deux variantes de vert. Mais toujours des verts et des bleus, par exemple, dans la même teinte, dans la même gamme. Mettez des couleurs qui sont en rapport avec votre logo ou la photo, comme si vous mettez une photo sur la carte de visite, ou faites en sorte que les couleurs de la carte de la photo correspondent aux couleurs de votre texte. Si vous mettez des images, mettez une image bien claire et surtout qui apporte de la valeur, qui aide à comprendre ce que vous faites, qui soutient votre message central. On verra sur des exemples de cartes de visite qui font ça. Outils logiciels, alors il n'y a pas de miracle. Une carte de visite, ça se travaille, ça doit être bien fait, propre. Il y a un outil que je vous recommande, Adobe Illustrator. Souvent, on me répond Photoshop, mais Photoshop n'est pas fait pour faire des cartes de visite. Photoshop, c'est fait pour la retouche d'image. Il vaut mieux utiliser un outil vectoriel qui gère des vecteurs pour travailler des cartes de visite. C'est beaucoup plus précis et le travail est plus fin en termes de résultats. Et si vous ne savez pas faire, il ne faut pas hésiter à aller voir une agence digitale. Hein, typiquement, moi, je ne sais pas poser du carrelage sur le sol, je ne sais pas faire de la plomberie. Donc, je fais appel à un plombier, je fais appel à un carreleur pour travailler le carrelage
de ma maison. Eh bien, pareil, quand on ne sait pas faire de carte de visite, quand on ne sait pas manipuler le logiciel de création graphique, eh bien, on va faire appel à des professionnels pour ça. Ce n'est pas une sorte de coût, même si votre agent vous prend 200 euros pour créer une carte de visite, ou même 500 euros, hein, que ça reste un budget tout à fait raisonnable. La carte de visite, c'est l'outil qui va faire passer votre message et c'est la manière dont les gens vont se souvenir de vous. Donc, c'est très important de se faire accompagner pour qu'il y ait le message passe bien. Ensuite, au niveau d'inspiration, allez voir sur Pinterest et Google Images. C'est vraiment des outils très intéressants pour travailler sa créativité, pour chercher des éléments créatifs auxquels on n'aurait absolument pas pensé. Il n'y a pas de honte à copier. Vraiment, ça s'appelle le copycat. Copiez les cartes de visite, copiez les bonnes idées de vos confrères et consoeurs. Allez voir ce que font les gens dans les autres industries. Ne copiez pas forcément, bien sûr, des cartes de votre industrie, mais il y a plein, plein de bonnes idées dans tous les domaines industriels. Et donc, allez chercher l'inspiration ici pour être vraiment créatif. Je déconseille Vistaprint pour une raison très simple, c'est que déjà c'est un peu cher. Et surtout, c'est que tout le monde a les mêmes cartes de visite avec Vistaprint. Il n'y a pas de créativité. Et puis Vistaprint, vous allez voir que rapidement, il y a des erreurs flagrantes au niveau de la conception des cartes de visite. Et justement, à travers les 14 exemples que je vais donner aujourd'hui, vous allez voir que Vistaprint fait des erreurs au niveau de la conception des cartes de visite. Alors, ce n'est pas Vistaprint qui fait des erreurs, hein, c'est l'outil de Vistaprint qui vous induit en erreur, qui vous pousse à remplir, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Ensuite, testez votre carte de visite. C'est important parce que lisez par exemple votre carte de visite à voix haute. Essayez de regarder votre carte de visite de loin et regardez qu'est-ce qu'elle transmet. Est-ce qu'on arrive à la lire? Est-ce qu'on arrive à comprendre son message central, etc. Tester la carte de visite, bien sûr, c'est pour vous permettre de l'améliorer. Faut pas hésiter à la travailler, la retravailler, la retravailler. Aussi, ne vous fiez pas à vos amis et relations pour savoir si votre carte de visite est bien ou pas. À la rigueur, pour corriger les fautes d'orthographe, améliorer un mot, un vocabulaire, un synonyme, etc. Oui. Mais vos amis ne vous diront jamais sincèrement ce qu'ils pensent. Tout simplement parce que c'est vos amis qui ne veulent pas vous décevoir. Donc, ils ne pourront jamais vous dire de manière très sincère ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils ressentent par votre carte de visite. À la rigueur, utilisez vos amis pour voir combien de temps ils mettent à déchiffrer votre carte de visite. Il faut que le temps soit le plus court possible. Donc ça peut être un bon indicateur. Sinon, donnez votre carte de visite à vos clients et regardez comment eux la regardent et quelles questions ils vous posent ensuite. Si vous posez des questions, ah mais t'es coach, mais coach en quoi en fait? Forcément, c'est que là, la carte de visite ne répond pas correctement à la problématique. Alors, voyons ensuite le fond, l'objectif de votre carte de visite. Vous allez voir qu'il y a une manière très précise de travailler la carte de visite. Et par exemple, quelle impression vous voulez laisser avec votre carte de visite? Quelle impression tu veux donner à ton client? Comment tu veux que ton client se souvienne de toi? Typiquement, là, je vous ai mis à titre d'exemple quatre profils psychologiques. Et c'est bien que votre carte de visite s'inscrive dans un de ces profils ici. Alors, typiquement, on a l'analytique, le réservé, le formel, le précis, le soigneux, le réfléchi. On va avoir sinon un autre profil, l'ambitieux, l'énergétique, décisif, direct, indépendant, exigeant. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on va avoir ça, on va avoir des termes différents. On va avoir des couleurs, des images, etc., qui vont être en rapport. Pareil, c'est méthodologique, calme, encourageant, systématique. Il faut que la carte reflète cette énergie-là. Et ainsi de suite. Ensuite, que doit-on retenir de toi? Comment tu veux que ton client se souvienne de toi? Comment? C'est-à-dire quel bénéfice ton client doit retenir? Vraiment, qu'est-ce que tu vas lui amener là tout de suite? Quel est ton métier, ton rôle, ton positionnement, ta valeur ajoutée? C'est quoi ton commerce? Quelle première action tu veux que ton contact entreprenne quand il a sa carte de visite? Est-ce que tu veux qu'il visite ton site internet? Donc, si tu veux par exemple que ton contact visite ton site internet, en quel cas tu mets le site internet en gros et le téléphone en petit? Quelle est la mission de ta carte? Alors, ouais, je m'étais un peu avancé. Visiter ton site, télécharger un fichier, voir une vidéo, te téléphoner, visiter ton commerce, cabinet. Voilà, ça c'est des exemples précis. Imagine l'action précise et inscris-la dans ta carte de visite. Alors justement, ça c'est ma carte de visite à moi à l'heure actuelle. Alors elle n'est pas forcément parfaite, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais disons que je vais travailler exactement
pour vraiment suggérer des questions, pour faire en sorte que mon appel à l'action, donc le call to action, avec une raison valable. Moi, mon but, clairement, c'est que la personne qui reçoit la carte de visite a visité cette page pour télécharger et récupérer un kit pour l'aider dans son travail. J'ai fait en sorte de mettre une adresse internet simple, facile à taper, facile à mémoriser. J'ai clarifié mon rôle, qu'est-ce que je vais apporter à mon client, mon positionnement. J'ai mis un visuel qui attire et qui rassure. Tout le monde connaît le logo YouTube. Du moins dans mes contacts à moi, mes clients cibles à moi connaissent le logo YouTube. Donc si je les redirige vers YouTube, eh bien on peut imaginer que ça leur fasse moins peur, parce qu'ils connaissent déjà YouTube. Enfin, mes informations de contact, mon téléphone, l'email, mon Skype, mon Twitter, sont un peu plus petites parce que ce sont mes informations secondaires. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur comment j'ai créé cette carte de visite et quel est le secret marketing qu'il y a derrière, cette carte de visite est extrêmement performante. C'est un vrai outil pour moi de marketing. Mon objectif, c'est que chaque fois que je donne une carte de visite, ça génère une visite sur mon site internet et j'y arrive presque. Et pour ça, justement, j'ai déjà fait une conférence à ce sujet. Tu vas sur bizcamp.fr/go/102. Ça te redirigera sur une vidéo YouTube où justement, c'est une conférence à peu près 1 heure, 50 minutes, où justement, je t'explique cette carte de visite, comment je l'ai construite et quel est son objectif marketing et les outils techniques que j'utilise pour ça. Alors, maintenant, on va voir en détail 14 cartes de visite qui sont là pour 14 cartes de visite, pardon, pour comprendre les erreurs et les bonnes choses à faire. Si vous avez des questions, hein, pareil, hein, posez-les dans le chat en live. J'y répondrai en direct. Alors, les cartes de visite que j'ai collectées ici, je les ai collectées dans des espaces de coworking, dans des espaces publics, etc. C'est des vraies cartes de visite, c'est des vrais gens qui sont derrière. Alors, je tiens à vous dire que les critiques, j'essaye d'être le plus objectif possible. C'est des critiques amicales. C'est vraiment dans le but d'aider et de vous montrer par l'exemple, de manière pragmatique. Il ne s'agit pas d'intellectualiser, mais de donner un feedback le plus pragmatique possible. Alors, souvent, on a peur de ne pas savoir quoi faire, on a peur d'échouer, on a peur de ne pas plaire, on a peur de ne pas être légitime, on a peur de ne pas savoir quoi dire. Et vous allez voir que ces peurs-là se transmettent sur la carte de visite et je vais vous donner vraiment des exemples précis. Des fois, il y a des cartes de visite qui montrent qu'on n'a pas envie de le contacter. Alors là, je commence vraiment par une carte de visite qui est bien faite. Le papier, il a une parfaite texture, vraiment très soyeuse. Tout est lisible, on a les informations qui sont bien segmentées. Et on a vraiment un ordre de lecture précis. À la rigueur, la seule chose qui puisse manquer peut-être, c'est le site internet. Mais je peux supposer que ce domaine n'a pas de site internet. Cette carte de visite, pareil, bien faite. On a le qui et le quoi qui est bien positionné. Tout est lisible. Le jeu des couleurs est bien équilibré. L'image, pareil, elle correspond bien à la carte de visite. Après, on aime l'image ou on n'aime pas, mais ça, c'est autre chose. Le seul point éventuellement que je pourrais critiquer sur cette carte de visite, c'est le comment qui est un poil discret. Là, si vous voyez, on a l'email, le téléphone et le site internet à la même taille. Il n'y a que la couleur du site internet qui change. Et c'est un peu dommage. J'aurais fallu en fait en mettre un, en faire dominer un. Et donc, comme on aurait fait dominer un, même mettre typiquement le site internet ou le téléphone un peu plus grand, quitte à réduire de quelques millimètres l'image. Le seul point faible de cette carte de visite, c'est son verso, qui est pour le coup un peu confus. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ramène cette personne-là ramène des logos de certification, et c'est une bonne chose. Hein, c'est une preuve d'autorité intéressante à travailler. Cette carte de visite, alors là justement, on a deux points qui sont intéressants. Alors le papier, pour le coup, d'une très bonne manufacture. Et les logos, et la personne met des logos sociaux, hein, LinkedIn, vidéo et Skype. Après, on a du mal à comprendre quel est le rôle de cette personne. Il utilise le mot consultant et ensuite freelance. Alors moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'il est consultant ou freelance? Donc là, vous voyez, on met tout de suite deux termes en fait dans le cerveau. Ça atténue le rôle en fait.
En plus de ça, il met deux fois un terme synonyme, et alors qu'il aurait pu utiliser le mot consultant ou le mot freelance pour mettre autre chose. Typiquement, consultant en gestion environnementale. Je donne un exemple, je ne connais pas Rémi d'Urbesson, mais typiquement, là, il y a un double, il y a quelque chose à travailler sur le titre. Ensuite, le texte en majuscule. Par rapport à l'email, par rapport à l'adresse, etc. Il faut savoir que les majuscules sont plus difficiles à lire pour l'œil. Le QR code, c'est très bien de l'avoir mis, c'est très intéressant, mais il prend trop de place, il domine beaucoup trop sur la carte de visite. Alors, QR code, c'est bien, c'est un gage de modernité, d'engagement, etc. Mais les gens, aujourd'hui, utilisent peu. C'est bien de montrer qu'on est moderne, mais. Au final, très peu de gens l'utilisent encore à l'heure actuelle. Il ne faut pas en faire l'outil principal de communication. Si c'était votre outil principal de communication, la taille ici serait adaptée. Mais comme en France encore, on est encore un peu en retard sur l'usage des QR codes, ça ne doit pas être votre vecteur principal pour transmettre une information. Et ensuite, je regarde le verso de la carte. Il est beaucoup trop chargé. Il ne sert à rien. Il n'apporte aucune valeur si ce n'est que de rendre plus confus encore le message. Alors là, on est malheureusement sur une carte de visite qui est totalement inefficace. On est sur quelqu'un justement qui a beaucoup de mal à encore structurer son travail. Je vous parlais tout à l'heure des peurs, des choses psychologiques qui viennent impacter votre communication. Et là, on est typiquement là-dedans. Le premier point, encore une fois, il utilise conseil, formation, coaching. Et juste en dessous, il y a encore coach, formateur. Donc là, pareil, on a un double emploi des mots qui n'ont aucune valeur ajoutée. Alors pareil, l'entreprise s'appelle Ambre Solutions, très bien. Solution personnelle de professionnel, bon, ok. Je continue à lire, téléphone et email, ok. On reviendra un peu sur l'email tout à l'heure. Mais là, j'ai beau avoir lu la carte de visite, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que la personne va m'apporter. Et si le créateur de cette entreprise-là me répond, mais oui, mais c'est marqué au verso, non. La personne, pour ce qui est le coup, il y a du texte au verso en effet, mais ce n'est pas le verso qui doit amener l'élément, le bénéfice principal de votre travail. Le bénéfice principal doit s'inscrire tout de suite dès qu'on regarde votre carte de visite. Donc là, si typiquement l'objectif c'est de travailler les compléments de revenus, compléments de revenus, pardon, changer de vie, stabilité professionnelle, admettons, moi je ne connais pas la profession de ce monsieur. Ou cette dame, je ne sais pas, c'est de mettre en haut, en place de conseil, formation, coaching, c'est de mettre changer de vie, complément de revenus, stabilité professionnelle, Fabrice Corsia, coach formateur. Voilà, là tout de suite, on a le rôle, on a la position et on a le quoi. Ensuite, pareil, en dessous du logo, en haut, solution, on a solution personnelle et professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire en fait. Ça, typiquement, solution personnelle et professionnelle, c'est du jargon blabla qui dilue le message. Ça, typiquement, c'est quelqu'un qui n'a pas assez travaillé sur les bénéfices de son offre. Enfin, par rapport à l'email, conseil@ambre.solution, c'est intéressant d'être allé chercher un domaine original, comme ça raccourcit, c'est très intéressant. Le problème, c'est que les gens ne sont pas habitués à lire ce genre d'email. On s'attend à une formule du genre contact@monentreprise.fr. Et les gens sont habitués à un modèle et il faut absolument respecter ce modèle-là parce que les gens vont se poser des questions. Si les gens se posent des questions sur l'email en lui-même, sur comment on écrit l'email, vous avez perdu. Parce que les gens vont mettre trop d'efforts et ils ne retiendront pas. Si votre idée était de faire original, c'est bien de faire original, mais il faut toujours s'inscrire dans ce que les gens ont l'habitude. Vous n'êtes pas là pour éduquer les gens à une nouveauté, vous êtes là pour éduquer les gens à la valeur que vous allez leur amener. Alors, les patines de Saint-Canard, c'est une entreprise qui a l'air très très intéressante, c'est vers Aix-en-Provence. J'ai entendu que du bien de cette entreprise et je n'ai aucun doute sur la qualité professionnelle de ce monsieur. Et en revanche, sa carte de visite a quelques petites faiblesses. Déjà, c'est la police en elle-même. C'est très difficile de dire patine. La police en bâton fait que mon œil doit vraiment se concentrer pour lire le A, le T, le I, le N et le E. C'est trop difficile. Donc soit je mets beaucoup plus gros, soit je change de police.
Le quoi ici, la promesse, c'est très clair. Artisan d'art, peinture sur meubles et objets. Tout de suite, je sais de quoi il s'agit. En plus, là, pour le coup, l'image, donc la photo, le cadre autour du recto est vraiment illustre parfaitement le travail de cette personne-là. L'autre point faible de cette carte de visite, c'est l'email. Il est beaucoup trop long, l'email. En plus de ça, il utilise un email @gmail.com. Utiliser un email professionnel. Surtout que cette personne a un site professionnel patinedecinqana.fr. Donc là, il met contact@patinedecinqana.fr. Et voilà, là, c'est un email pro parfait. Derrière ça, pareil, là, il y a une petite faute. Alors, c'est plus s'il y a du web marketing. Patine, trait d'union 2, trait d'union 5, trait d'union cana.fr, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop long. Il faut absolument utiliser un nom de domaine beaucoup plus court. À la rigueur, enlever le trait d'union ou sinon utiliser juste, par exemple, les initiales pdsc.fr, par exemple. Voilà, utiliser quelque chose de court, 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 court. Notre carte de visite. Alors là, typiquement, ça, c'est une personne qui n'a pas envie qu'on la contacte. Alors, je ne connais pas Nadia, avec tout le respect que je lui dois, c'est une personne formidable, très intéressante, motivée à gérer son entreprise, à conseiller ses clients, etc. Encore une fois, je fais la critique dans le but d'être le plus objectif et avec toute la bienveillance nécessaire. Son logo est intéressant. On comprend qu'elle s'appelle Nadia, mais regardez sur le recto, le texte est écrit trop, trop, trop petit. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Il y a marqué audit organisationnel, conduite de changement, intelligence collective, performance des équipes, accompagnement et conseil aux dirigeants. Voilà. Déjà, c'est trop long à lire. Vous avez vu le temps que j'ai mis pour le lire. Donc là, c'est beaucoup trop long. Il faut résumer. Il faut prendre une phrase, en fait. Il faut arriver à résumer ça en une phrase. Donc là, c'est un travail sur les bénéfices clients qu'il faut faire. Et donc là, typiquement, c'est ce genre d'erreur que Vistaprint vous fait faire. Alors, je ne sais pas si la carte de visite a été faite avec Vistaprint, mais le texte est beaucoup trop petit. On ne sait pas quel est le quoi, quel est le rôle de cette personne-là. Au recto, pour le coup, là, donc, les informations de contact sont plutôt claires, on arrive à les lire. En revanche, encore une fois, info.anglicy.conseil@gmail, déjà, c'est trop long. Et deuxième point, utiliser une adresse professionnelle. Moi, ça me met en boule. Vous achetez un nom de domaine anglicyconseil.com, monsite.com, business100.fr.com, peu importe le domaine que vous achetez, mais utilisez un email professionnel. Mais à quoi vous ressemblez quand vous dites que vous avez votre email chez Gmail, quoi? Ça n'a aucun sens professionnel, aucun sens au niveau de la communication. Et là, juste petit commentaire encore au niveau de l'adresse du site web. C'est pas utile de mettre le HTTP. Alors ça, c'est une carte de visite aussi assez intéressante parce que c'est une personne qui a deux magasins, pareil, sur la région d'Aix-en-Provence. J'ai essayé de la retrouver là dans mes papiers. Voilà. Alors la texture à carte est très agréable. Elle est toute douce, cette carte de visite. Elle est un peu satinée. Je ne sais pas la finition exactement, mais ça fait ma part, ça s'appelle un pelliculage peau de pêche. Et ça donne l'impression d'une texture très intéressante de la carte de visite. On la lit très bien. Le seul point faible de cette carte de visite, c'est son appel à l'action. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Est-ce que vous voulez qu'ils vous contactent? Est-ce que vous voulez qu'ils visitent votre magasin, etc. C'est pas assez clair. Et c'est dommage. C'est dommage parce que cette personne-là a fait deux sites internet pour cette activité. Et typiquement, là, moi, j'aurais mis en valeur le site internet pour faire en guise de premier contact avant une visite en magasin. Ça, c'est notre carte de visite. J'ai ma langue qui fourche, je vais boire un peu d'eau. Voilà. Alors là, il y a plein de créativité, c'est super intéressant. Cette carte de visite est très bien construite. On comprend tout de suite qu'elle ne s'adresse pas au grand public, elle s'adresse plutôt à des entrepreneurs, que c'est une carte pour faire du réseau, par exemple. Il y a la créativité, l'image inspire, elle capte l'attention, elle inspire le sourire, on a le rôle, le quoi qui est tout de suite clair et annoncé. Taille du texte parfaite. On a un rappel entre le recto verso grâce à cette petite abeille qui nous donne envie de la suivre du regard.
Voilà, là typiquement, on a une bonne utilisation des informations et un bon équilibrage. Là, on est aussi sur une carte de vue très intéressante, assez bien équilibrée. On comprend tout de suite qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait, coaching à venir. On a en dessous donc un détail ni trop long ni trop court de valeur ajoutée qu'elle va apporter. Vraiment, là, on a une carte de visite qui est assez bien construite. On a le téléphone qui est d'une couleur différente. Donc, c'est très bien parce que là, on comprend vraiment que la personne souhaite qu'on la contacte par téléphone avant qu'on visite son site internet. Et on a le comment, donc Aix-en-Provence, possibilité de séance à distance. Voilà, donc on est vraiment, là, on est sur une carte équilibrée, bien construite. Là, on est sur une carte de visite pour le coup qui est un peu plus difficile à lire. Parce que d'une part, on a une police, pareil, avec des bâtons. Il faut se méfier des polices à bâtons comme ça, hein. Elles sont toujours plus difficiles à lire. Et aussi, on a trop de couleurs dans la carte de visite. Alors, ce qui me gêne, ce n'est pas les images, soit pour le fond, pour le recto, soit pour cette rosace. C'est les couleurs au niveau du texte, des couleurs dans ta vie. On n'arrive pas à le lire clairement, hein. Là, je vais la reprendre sous les yeux. Voilà, je l'ai. Et découlant ta vie, le jaune, là, il apparaît assez bien sur l'écran, mais sur l'impression, on ne le voit pas. Et l'œil, il faut savoir une chose, c'est que l'œil est capable de lire des mots en ayant la première et la dernière lettre de chaque mot. Hein, si je vous cachais les lettres au milieu du mot, le cerveau est capable de deviner. C'est pour ça que c'est très important de ne pas avoir trop de couleurs dans le texte. Parce que quand les couleurs du début et de la fin du mot sont différentes, l'œil a besoin de beaucoup plus d'efforts pour arriver à déchiffrer. Donc trop de couleurs et aussi trop de capitales. On ne met pas de capitales à chaque mot. Il faut savoir que les capitales sont plus difficiles à lire et ça stoppe l'œil. L'objectif, c'est d'avoir une lecture fluide et non pas une lecture par à-coups. Là, des couleurs dans ta vie. Donc là, clairement, je parle au moins pour la langue francophone, pour la langue française et la langue anglaise. Pas de capital dans les lettres. Soit vous mettez tout en capital, soit vous mettez tout en minuscule avec une lettre en capital en début de la capitale en début de phrase, quoi. Le quoi ici, il est un peu léger. L'appel à l'action, il est un peu léger. Et pareil, l'email, là, il est trop compliqué, là. Imaginez, mettez-vous à la place du client. Le client en face, il a envie d'aller vite pour taper son email et l'email pour vous contacter. Si tu as tapé un truc à rallonge, il n'a pas envie de vous contacter déjà, qu'il a à peine envie de vous appeler, qu'il a peur que vous l'escroquez, que vous lui prenez trop d'argent, que vous prenez trop de temps, etc., etc., etc. Donc voilà, faites simple avec ça. Alors, hypnosoin, donc au recto clairement, trop d'informations. Pour le coup, ici, le rôle et le positionnement de cette personne est clair. Karine, ok, hypnothérapeute, infirmière, formatrice, parfait. Là, on comprend tout de suite qu'est-ce qu'elle va apporter. Appel à l'action principale, téléphone. Ça, là, la grande carte de visite là-devant, elle est parfaite. Par contre, le recto ou le verso, hein, donc recto verso, oui, le verso, pardon, beaucoup trop de texte. Là, il aurait juste fallu mettre une phrase derrière. Soyez acteur de vos changements de vie en toute sérénité. Ça serait largement suffisant, en fait. Alors là, on est sur une carte de visite beaucoup trop chargée, hein, typiquement. Il faut arriver à simplifier. Il faut arriver à simplifier. Hop là, pardon, pardon, pardon. Voilà. Le besoin donc là de synthétiser et clairement de faire du copywriting. Je vous ai sélectionné en jaune. Ce serait largement suffisant en fait de mettre je vous accompagne dans la gestion des conflits de la relation à l'autre jusqu'à s'épanouir. Ce serait largement suffisant pour le verso. Et au niveau du recto, pareil, il y en a un peu trop. Le texte est marqué un trop petit. Et là, pour le coup, la police, pareil, elle est difficile à lire. Le texte est trop petit. Le téléphone, difficile à lire aussi. Et là, pour le coup, le qui, le quoi, le comment sont beaucoup plus difficiles à déchiffrer. Alors là, on est sur une carte de visite assez intéressante parce qu'elle est très très simple. On va vraiment sur le minimalisme et c'est intéressant aussi en termes d'efficacité. Le quoi et le rôle, le positionnement, il est parfait. Le comment, on comprend tout de suite ce numéro de téléphone. En revanche, au recto,
On a deux choix encore en termes d'activité. Ça fait trop en fait. Juste prenez soin de vous, massage énergétique, drainant, réflexologie plantaire, coaching pour mobiliser ses ressources, par exemple. Hop les, pardon. Ça aurait largement suffi. Le premier bloc, mobiliser vos ressources jusqu'à IFS, est en trop. Là, on est sur un confrère, hein, donc un consultant en stratégie digitale, a priori. Hein, je ne connais pas Jean-Luc, mais là, alors, non, on est parfait. On est sur le minimalisme, nickel. On comprend tout de suite qu'est-ce qu'il fait, son positionnement, à quoi il va servir, qu'est-ce qu'on doit visiter. Les petits logos sont bien, bien utilisés, notamment sur Twitter. Les couleurs, là, vous voyez, donc on a trois couleurs, le noir, le fuchsia, le rouge. Puis la carte de visite, quelle couleur elle est la carte de visite? Je vais la reprendre en main. Oui, la carte de visite est un beige là, sort violette, mais la carte de visite est dans un ton beige. Donc, on a une parfaite harmonie, peut-être pas bien un peu d'acte. Et l'autre bémol, c'est la police. C'est la police, on a du mal, moi personnellement, j'ai du mal à lire forum MMC là, au niveau de l'email. Et il me faut vraiment un temps de concentration pour voir si je lis 2M ou s'il y a autre chose. Autre carte de visite, donc là, pour le coup, elle est intéressante, mais elle a encore deux, trois faiblesses. Ce qui est bien, c'est le qui, quoi, comment au niveau du recto qui est intéressant. Par contre, le site internet n'est pas assez mis en valeur. Et au verso, il y a un point faible, c'est le téléphone, l'email. Alors pareil, il n'y a pas de mail professionnel, bon, je peux entendre que ce... Mais si, il a un site internet, donc là, il y aurait typiquement fallu mettre contact@sonierchristian.com et... aller me chercher une même police et avoir quelque chose d'homogène. Ça, je pense que c'est une carte de visite qui a été faite avec Vistaprint. Voilà, donc cette carte manque un poil de professionnalisme. Anne Gaucher, donc là, on est sur une carte de visite assez bien équilibrée. Le qui, le quoi, le rôle, le positionnement, on le comprend tout de suite. On capte rapidement les bénéfices que va nous apporter cette personne. On sait tout de suite où la situer. En revanche, la seule chose qui peut être peut-être un peu travaillée sur cette carte de visite, c'est sur comment vous voulez que les contacts viennent à vous. Est-ce que la priorité, c'est qu'ils vous visitent votre agence? Hein, je crois comprendre qu'il y a un cabinet. Est-ce que vous voulez qu'ils vous passent un coup de fil ou est-ce que vous voulez qu'ils vous envoient un email? Donc là, typiquement, il faut mettre celui que vous préférez en gras et en premier. Si on veut que les gens nous appellent, on met le téléphone en premier et on le met en gras. Alors cette carte de visite, elle est très intéressante, très claire. Elle utilise vraiment les leviers marketing qui permettent de se positionner. Le qui, le quoi, le comment, il est parfait. Olivier la pose des questions pour vous suggérer et vous remettre en situation, vraiment vous montrer qui peut vous commencer à répondre. Hop là, je m'en mêle les pinceaux, c'est pas possible. À chaque fois, vous voyez, ça c'est le live, on est vraiment en live sur YouTube. Donc, en posant la question typique, comment vos clients vous évaluent-ils? En fait, on soulève la problématique que l'entrepreneur va avoir donc à chercher à comprendre comment ses clients réagissent par rapport à son entreprise, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et donc, en fait, avec la question, on amène le problème et un début de solution. On suggère que Olivier Pinxon Ducel a une solution à ça. Voilà, donc là on est vraiment sur un positionnement clair. Le seul bémol peut-être que je pourrais amener ici, c'est le nom d'entreprise qui est un poil compliqué à lire. Stratsat, voilà, il faut vraiment. C'est un poil compliqué. Voilà, peut-être qu'en Alsace on aurait moins de problèmes parce qu'on est peut-être plus habitué à lire ce genre d'orthographe. Après, bon, c'est pas. C'est pas trop déterminant, mais là, vous voyez, on a un email professionnel, olivier@stratsat.fr. Là, on est vraiment sur une carte parfaitement équilibrée en termes de rôle, de quoi, de comment. Alors là, une carte de visite très intéressante, donc je vous invite vraiment à vous inspirer. Le qui, le quoi, le comment, parfaitement bien défini, comme le rôle, position, on comprend tout de suite. Et là, Amaury, il a eu l'intelligence de faire appel donc à du storytelling. Au verso de cette carte, là, vous voyez, I make startups grow faster by providing tools, methodology and know-how.
As senior CTO, I build, teach, mentor and above all, learn continually with exceptional entrepreneurs. Donc là, tout de suite, en fait, on arrive à cibler la personnalité, ce qu'on va nous apporter cette personne, c'est sa valeur ajoutée. C'est instantané et on a vraiment, ce texte a été très bien travaillé. Alors évidemment, vous n'allez pas produire un texte comme ça en quelques minutes. Hein. Je présume qu'il y a eu plusieurs jours de travail pour produire un texte comme ça. La police, les couleurs, tout est bien équilibré. Là, vous voyez, on a le bleu et l'orange et le noir. C'est tout. Le seul petit bémol que je vais apporter à cette carte de visite, c'est au niveau des informations de contact sur le recto, le téléphone, l'adresse, etc. Ne pas mettre un noir aussi intense peut-être, mettre une police un peu plus fine, parce que pour le coup, ça prédomine et on ne sait pas vraiment quelle information prioritaire, quel canal prioritaire utiliser pour contacter Amaury. Typiquement, Amaury, je le connais assez bien puisque c'est un de mes clients et puis ami aussi. Et donc là, typiquement, il aurait mieux fallu mettre l'email par exemple en avant ou le site internet. Deuxième bémol, évidemment, mais ça, il le sait. C'est la photo, peut-être il y a un problème. Donc, quand on met des photos comme ça sur sa carte de visite, il faut vraiment que la photo soit parfaite. Il faut aller voir un photographe professionnel, dépenser les 50, 100 ou 200 euros pour faire un vrai portrait qui vaille vraiment la peine et qui mette en valeur en fait votre visage. Alors, si je dois résumer, c'est imparfait, ridicule, ça je le dis à chaque fois, mais osez, n'ayez pas peur d'être imparfait ou d'être ridicule. Osez, même si votre carte de visite n'est pas parfaite, même si vous pensez que votre carte de visite est trop osée, trop en décalage, faites-le, démarquez-vous. Communiquez bien sur votre position et votre rôle pour vraiment vous distinguer et rester en mémoire dans la tête de vos prospects et clients et exploiter le storytelling et poser des questions à votre audience. Et je vous invite encore bien sûr à télécharger votre kit, à télécharger le kit donc biz100.fr/gossa-stratégie pour vraiment travailler votre stratégie d'entreprise pour être vraiment bien clair, parfaitement en phase avec votre objectif et ce que vous communiquez à vos clients. Nous voilà à la fin de sa conférence. Parfait, vous voyez, j'ai fait 42 minutes là, c'est génial au niveau du timing, c'est parfaitement ce que je voulais faire. Si vous avez des questions, posez-les, sinon s'il n'y a pas de questions, eh bien écoutez, je vous retrouverai lors du prochain live de Mon Business à 200%. Pour information, Mon Business à 200%, c'est une publication quotidienne qui parle de stratégie d'entreprise et de web marketing pour t'aider à développer ton entreprise.